Alexandre Genièse, il n'avait pas pu disputer le Tour de France, il était malade. Et bien finalement, cette non-participation au Tour de France lui a fait du bien. Il est arrivé sur la Vuelta avec de la fraîcheur. Et aujourd'hui, dans cette troisième étape, trois ans après son succès à Péragude, Alexandre Genièse s'impose ici au Mirador des Sao. Ouais, bravo, belle victoire française en haut de cette difficile ascension. Il a réussi à résister. Je crois qu'ils sont là, mais encore ces 25 secondes qui devraient lui permettre d'aller chercher cette belle victoire d'étape. On a dit Néo Pro, premier grand tour. Ce serait sa première victoire même chez les professionnels. Et gagner une première étape sur un grand tour, ça serait magnifique pour lui et son équipe. Il se retourne, il va même pouvoir savourer un petit peu. Lilian Calmejean à 23 ans va offrir la 23e victoire de la saison à l'équipe Direct Energy. C'est fait, Lilian Calmejean remporte cette 4e étape de la Vuelta. Il pense même à refermer le maillot, preuve de la lucidité du coureur, il peut tirer la langue, il allait la chercher cette victoire, ah, il se fait plaisir Lilian Calmejean, lui il va pouvoir la savourer, il va aussi reprendre du temps au classement général, il avait fait une très très belle montée hier du Mirador de Sao, 24 heures après Alexandre Genièse, le cyclisme tricolore signe une deuxième victoire sur la Vuelta. Troisième victoire française, Darwin Atakuma est dans la roue. S'il gagne chapeau, mais il prend beaucoup de risques. Hein. En tout cas, ça a distancé Fabio Fellini maintenant. Ouais, mais il lui lance le sprint. Hein, Allez Pierre. Aïe, il va attaquer maintenant. C'est fini. Voilà, ça c'était prévisible. Hein. Attendez, c'est jamais fini avec Pierre Latour. Non. C'est jamais fini avec Pierre Latour. Et ouais, mais c'est normal, il s'est fait un harakiri. Donc, ouais. Oh là là. Écoutez-nous Richard, c'est jamais fini avec Pierre Latour. Avec un énorme braquet. Il est en train de revenir sur Atakuma. Allez Pierre. Et le contre de Pierre Latour. Il est dans la roue maintenant du Colombien Pierre Latour. Et derrière il y a un autre Colombien qui va remporter cette Vuelta. Mais nous on voudrait savoir qui va gagner l'étape. On vous l'avait dit Richard, c'est jamais fini avec Pierre Latour. Et l'avantage c'est que Fellini n'est plus là, non, il ne reviendra plus. Allez, maintenant. Pierre Latour. Quel braqué, oh là, s'il gagne. Ça va être dur, Darwin Atakuma est idéalement placé dans la roue du coureur de l'équipe AG2R, la mondiale, ça va se faire maintenant. Pierre Latour qui emmène toujours Darwin Atakuma qui accélère. Allez Pierre, jusqu'au bout. La troisième victoire française, elle est là. Le dernier repercute de Pierre Latour. Il est KO, Atakuma, 22 ans. Il s'impose aujourd'hui.